Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait découvert la vérité sur Stella. Je vous laisse aller voir le dernier épisode si vous l'avez pas vu. Parce que sinon, je vous spoilerai pas plus. On avait réussi à faire le défi d'Elena, qui bien évidemment nous a récompensés en nous donnant un autre défi. Et comme c'était un petit peu loin d'un point de bus, on avait pris la décision, en tout cas j'avais pris la décision de explorer un peu pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on avait autour de nous, parce que je sais qu'on a, il nous manque des villes, et on était effectivement tombé au hasard sur une ville. On va aller voir ce qu'il y a dedans, et l'objectif de l'épisode sera peut-être d'aller à Overbrook, enfin aider Jackie, parce qu'on l'a un petit peu laissé dans sa merde. C'est pas forcément très cool. On va aller voir tout de suite, du coup, notre nouvelle ville à visiter. Du coup, la ciné s'est déclenchée pendant... Eh bien, le petit temps de off pour voir cette évente, cette ville. Enfin, du coup, c'est pas vraiment une ville, c'est une île surtout, mais. Donc, les sommets bruits noirs, qu'est-ce qu'on a? On a ici. Ah, on a un camp. On a une tente. On sait que les tentes, il faut sauter dessus. Ici, on a un autre arbre. Ok. J'ai vu qu'il y avait un petit truc en bas, mais on va continuer à monter. Avec Daffodil qui se retrouve téléporté pour nous aider. Daffodil. Daffodil. Ok, donc on a dit qu'il y avait quelque chose en dessous, mais pour l'instant on n'y va pas. On va surtout faire ça, prendre la tyrolienne, monter doucement, voir un peu ce qu'il y a. Donc il y a quelque chose ici. Ok. Qui m'avance absolument pas. Ok, je vais voilà, descendre doucement. Donc on avait eu une amélioration. La lanternelle pour pêcher et miner. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On va descendre doucement. Il y a l'air d'avoir que des choses à récolter. Pas forcément des gens, hein, mais... Je parle en même temps, je me concentre pas. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on... Ah, un coffre. Qu'on récolte plus, du coup. Ah, sérieux. Parfait, une amélioration du cellier. Ok, on est re-là. On a vu qu'il y avait un petit truc là. Je ne veux pas dire que ça sert à rien, mais ça sert un peu à rien. Ok. On a peut-être fait le tour. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, du coup, puisqu'ici on est grimpé là, on a fait ça. On a peut-être éventuellement pas été voir s'il y avait des choses de ce côté-là. On va y aller doucement. Voilà, comme ça, je vois rien. Notre bateau est de ce côté-là.
coup en plus. Comme on trouve une vraie ville, ça nous explore pour de vrai, c'est parfait. Donc effectivement, on a tout trouvé. Mais là, il n'y a probablement rien du tout. Et on a dit, on veut aller à Overbrook. Overbrook qui est là. On va y aller avec le bus. Et on va aller voir notre amélioration du cellier. Donc le cellier que j'ai mis quelque part par ici. Il nous faut de l'ectoplasme en bouteille. On n'en a pas assez. Ok. On pensera peut-être à faire un event. Si on en trouve un. Une bouteille de lueur, c'est parfait. Et j'ai pas ouvert cette carte au trésor. Coordonnées sur la carte 40 moins 40. Bah oui, c'est exactement. On sait qu'on y va, mais. On n'a pas lu la lettre. Donc, on a dit Overbrook. Ici, je pense qu'on n'est pas trop loin du port de la carte. Il y a peut-être encore des choses hein, par ici. Overbrook, c'est ici. On va aller aider Jackie. En plus, du coup, on a plein de nouveaux pouvoirs. Donc, on va peut-être pouvoir un peu s'en sortir. De manière un peu fun. Finir d'explorer. Parce qu'on sait qu'il nous manque des choses hein, sur Overbrook. Non, ça c'est la canopée obscure. Il manque un coffre rare. C'est vrai qu'on la sent, l'amélioration de la pêche. Hein. Même si. On n'est pas sur du thon, donc on n'est pas sur les plus difficiles. Mais. Voilà. Donc on est à Overbrook. Je sais plus si j'ai sonné la cloche. C'est pas grave. On va aller voir ce qu'on peut faire. Il nous reste encore 5 items à découvrir hein, ici, donc on va encore pouvoir bien s'amuser. Alors, non, c'était pas avec toi que je voulais interagir, je voulais grimper, mais c'est pas grave, je montais ici. On monte là, on tourne ici. L'échelle est là. On sort. L'échelle est là. Ici! Oh, c'est toi! Ça sent à l'aise. Je blague, merde! Relaxe un peu! Tu vas péter un plomb! Alors écoute-moi, Madame Patiès, là-haut est vraiment pénible aujourd'hui. Elle est tellement lourde! Pour dire vrai, j'ai pas bien pu faire toutes mes tournées! Quelques patients ont tendance à errer dans l'hôpital. Sans toi pour être leur bergère jusqu'à leur chambre, ils seront perdus ou effrayés. C'est-à-dire qu'ils vont s'énerver et distraire le personnel. Fais gaffe, ils sont pas dangereux, seulement confus. Mais on peut pas laisser les patients errer partout. La gestion appelle ça la responsabilité. Tu serais un ange si tu m'aidais à les retrouver. Il devrait y en avoir 3. Cherche les patients qui sont pas à leur place ou qui se cachent. Et puis parle-leur, ils vont t'écouter et retourner directement à leur chambre. Et merci bien. Donc le coffre est là, on le voit. Mais effectivement, du coup. Il nous manque. Bonjour toi. Chut! J'essaie de nouvelles façons de me faufiler. Je tiens ça d'une très bonne source. La tour n'est pas une tour. C'est en fait une fusée. Elle a été construite par les reptiliens pour qu'ils volent jusqu'aux étoiles. Une fois qu'ils auront fait l'humanité esclave. Et comme tu le sais, les reptiliens ont très bon goût quand il est question de collation. Si je pouvais trouver une façon
Je pourrais en ramener quelques-unes. J'ai le goût d'un aspic aux légumes depuis des semaines. Quoi? Tu en as vu dans ma chambre? Tu m'as jamais dit ça. À plus. Et on voit qu'il y a des escaliers à l'intérieur, donc quand on aura réussi à aider Jackie, on pourra sans doute accéder à l'intérieur. Debout, assis. Ok, donc c'est pas celui-là. Cet endroit s'écroule, il faut faire quelque chose. On a celui-là. Alors c'est pour ça. Ok, c'est pas celui-là. Là on en a un peu partout, hein. Oui, ça goûtait un peu le poulet. Ah oui, on se souvient qu'il nous avait demandé de nous goûter. Un peu chelou. Si je suis perdue, non, bien sûr que non, je suis médecin. Oui, un médecin de médecine avec un doctorat en médicologie. Le meilleur de tous. Je connais tous les os. Le radius et son diamètre. C'est pas ça. D'accord, je suis pas médecin. Je voulais seulement avoir du plaisir. Je vais retourner à ma chambre. Et dodo. Donc là, ici, également, on avait le coffre. Bon, il passait où? On avait déjà interagi avec lui. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on eh bien, fouille cet hôpital pour trouver ce qui nous manque. Je vois personne ici, il devait être en bas. J'espère qu'on la retrouve bientôt, l'eau. Il cherche l'eau et Flo, ok. Toi, tu te balades un peu trop. Mettez quelqu'un de normal. Vous êtes pas blanc, donc vous n'êtes pas des patients. Ne me parle pas, j'attends que Raccoon Inc. remplisse la machine distributrice. Alors quand ils regarderont pas, je vais me faufiler dans une de leurs boîtes. Je pourrai enfin explorer le monde. Imagine où je vais aller. Premièrement, sur un bateau cargo. Et puis dans un hangar, probablement quelques années. Finalement, je vais probablement aller dans un centre de tri pour faire de nouvelles boîtes. Tu sais, tu as bons arguments. Je vais seulement retourner à ma chambre. Parfois, la moisissure fait des formes amusantes. Parfait. On a retrouvé les trois patients. On va pouvoir remonter ces escaliers interminables. Ça a fonctionné! C'était comment? Pas si mal? Ouais, c'est ce que je pensais! Greta est super étrange, mais c'est sa personnalité! Ce sont de bonnes personnes! Les gens sont très coopératifs, pas comme tu sais qui dans sa tour là-haut! En plus, j'étais certain qu'ils retourneraient à leur chambre après t'avoir rencontré! En tout cas, moi. Si, après avoir senti ton odeur. Ha! Allez, tu sais que j'aime plaisanter, en tout cas. Ouais, merci de ton aide. Parfois, je me demande pourquoi je m'en fais avec ce boulot. J'imagine que je saurais pas quoi faire sinon. En plus, on me dit que je fais bien le travail, alors tout le monde gagne. Je sais pas. J'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Oh, j'ai presque oublié. J'ai eu de la difficulté à la retrouver dans mon casier. Je voulais respecter ma promesse. Tiens, une vieille pièce, tu sais, comme celle que tu m'as prêtée l'autre jour, tu te souviens? Pour la machine distributrice. En tout cas, on est maintenant quitte. Bon, à plus, Tellers. Et du coup, il nous a donné une obole. Et du coup, on peut le nourrir, hein, lui. On sait qu'il aime la viande, on sait pas son aliment favori. Ragoût de viande? Plus de délicieuses et succulentes viandes. Merci, Stellers. Non. Les RH nous ont parlé du toucher en public. Content de voir que tu n'es pas coincé. On sait qu'il va nous rappeler, hein, on le sait. On va monter dans notre bateau et qu'au bout de 5 minutes, on aura un message. Et du coup, il n'y a rien de nouveau dans cette machine distributrice. Mais du coup, bah ça va peut-être être l'occasion de se poser des questions sur peut-être ce bord de map-là, à mon avis.
On est quand même pas très loin du bord de map, mais on sait jamais. Ou aller se poser la question directement de par là. Alors bien sûr, on va pas aller à l'arrêt de bus du Seuil Éternel. Hein. Quoi qu'on peut aller à l'arrêt de bus tant qu'on va pas au Seuil Éternel. RS aujourd'hui! Dodo, tranquille. Me cache, XD. Désolé, mauvais nom. Non, mauvais numéro. Voilà, mauvais numéro. XDR. Lol. Ouais. Alors Francis, t'as une nouvelle quête pour de vrai ou... Ou t'as juste... T'as juste les mêmes que d'habitude, ok. Je vais pas non plus... Trop. Par contre, je vais les nourrir eux. Avec leur... Mais tu vas où? Buck! Je veux te nourrir! Popcorn? Collation? Bonbon? Juste bonbon. Câlin? Il faut que je retrouve Elena, du coup. Et il est pas content à cause du temps. Je peux voir Elena partir par là. Où est-elle? Elena. On va dire que si je la vois pas, c'est qu'elle est pas là. Elle est peut-être dans ses appartements. Faut que je me souvienne, c'est laquelle sa maison à Elena? Celle-là? Je crois que c'est celle-là. J'ai faim! Je pense qu'elle est pas contente parce que je suis allée chez elle. On sait qu'elle aime pas. On sait qu'elle aime les aliments santé. Ça, j'ai trouvé ça la dernière fois. J'ai bien envie de lui donner une soupe. Et on lui fait pas de câlin, du coup. On peut lui parler. Et elle aime pas la pluie. J'ai l'impression que globalement personne n'aime la pluie. Hein, et que du coup ils nous font tous à peu près le même discours quand on y va. Quand il y a de la pluie. Faites qu'ils soient pas super contents. Alors, du coup, que dit la quête, hein? On va vérifier. Va à Overbrook et va voir ce que Jackie voulait. Ouais, on s'en doute un peu. Faut monter ici. Faut sortir là. Jackie n'est plus là. Alors, est-ce que je peux descendre? Je peux descendre par là. Par ici. Je récupère donc ce coffre. On remonte. Ensuite, je peux monter ici. Je peux monter là. Est-ce que je peux monter? Je peux monter jusqu'ici, ok. Je peux monter là. Je peux aller ici. Donc, ce qu'on fait, c'est attraper le coffre, hein, bien évidemment. On se posera la question de remonter ensuite. Ok, donc la tour est comme ça. Le vieux guitariste aveugle. Alors, que nous dit la quête? Joue la mélodie étrange dans la chambre de la patiente difficile. Et on n'a toujours pas trouvé Overbrook. Alors, du coup, on a dit pour jouer de la guitare.
toi, c'est... Je... Es-tu là? Je veux dire, vraiment là? C'est... Bien sûr que tu es là. Tu as ce truc. Une fine poussière qui te suit. Tu es sale, plus que les autres. Le sol autour de toi s'effondre, c'est... Peut-être la musique? On dirait un phare. Une faible lumière à travers la bruine. Non, non, c'est pas ça. Je suis désolée, j'ai plus l'habitude de parler, et ma voix arrive difficilement, si rarement. Plus souvent qu'autrement, ma voix arrive, que je le veuille ou pas. Je jappe ou je siffle, je n'ai pas le choix, mais pas en ce moment. Oui, c'est ça, je comprends maintenant. Stella, n'est-ce pas? On s'est rencontrés il y a si longtemps. Je n'étais pas encore ici. Et tu étais beaucoup plus vieille. Ta musique est rude, Stella. Elle n'est pas un phare. Mais plutôt une encre, grosse et lourde à s'en briser le dos, et coupante comme une lame de rasoir aussi. Je sais pas encore si... Ah, je vais... Je... Le jour se lève! C'est l'heure de... Merde, mais qu'est-ce que... Stellers? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, t'es curieuse, hein? Ouais, je te blâme pas, les fous sont fous de fascinants spectacles. Mais je vois que tu as déjà rencontré Madame, je veux pas prendre mes médocs. Décevant, hein? Les médecins appellent ça la catatonie. Elle reste immobile ici pendant des heures. Inquiétant, hein? Mais je te jure, elle fait semblant souvent pour me contrarier. Tu devrais voir quand elle commence à parier, c'est quelque chose. L'ancien, l'omnipotent et tout. Je te connais, Daria. Oh, c'est peut-être vrai cette fois-ci. Hé, Daria, t'es là, c'est ton ami, Jackie. Cligne une fois des yeux si tu m'entends. Ouais, elle semble un peu absente. Je pense pas qu'elle fasse semblant. On la laisse tranquille, ok? À propos de ce qui s'est passé, tu as vu comment elle a réagi à ta présence? Elle va pas vraiment bien en ce moment. Je sais que tu essayes d'aider, mais c'est pas si simple. Tu veux pas seulement sourire pour faire disparaître tous les problèmes. Crois-moi, c'est mieux pour elle de rester là-haut. Alors s'il te plaît, n'y retourne pas, tu lui fais du mal. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai envoyé des messages étranges sur le téléavertisseur? Oh ouais, cela, désolé, c'était pour quelqu'un d'autre. T'inquiète. T'inquiète pas, d'accord? Et aussi, on garde ça entre nous, ok? Ce que la direction ignore ne fait pas de mal. Tu voudrais pas que le vrai vieux Jackie soit dans le pétrin, hein? Ok. Et on sait très bien. Je voulais sauter. Hein. Qui va probablement nous recontacter. Mais en tout cas, on a rencontré Daria, enfin. Puisque. La mise à jour qui a apporté Jackie s'appelait la mise à jour Jackie et Daria. Donc ça fait plutôt plaisir. Je vais continuer du coup à me poser des questions sur ma carte hein, sans bouger. C'est vrai que du coup c'est tentant de se dire qu'on ferait peut-être un petit peu le tour. Je pense qu'il y a des endroits typiquement par ici là où on a peut-être des choses qu'on n'aurait pas vues. Mais après, c'est pas non plus folichon à vous montrer en let's play si je fais tout le tour de la carte. Surtout que ça va me prendre un petit bout de temps pour finir d'illuminer les endroits. Y a des endroits où on se doute bien que, genre là, y a rien quoi. Mais par ici, cette zone-là, je pense qu'il peut y avoir des choses qu'on n'aurait pas trouvées. Du coup, ça pourrait être intéressant d'y aller. On va faire un petit peu de bouffe. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné pour faire autre chose que du succès en vérité. Donc on va. Allez, on va prendre des macros. On en met deux. On va mettre des olives. Ouais, non, pas des olives. On va mettre. On va mettre du gras. Un petit peu de gras, ça fait toujours du bien. Ah, il a pas l'air de nous contacter là, peut-être demain.
On va peut-être quand même bouger un petit peu. J'irai bien jusqu'aux caisses. Mais c'est vrai qu'ils ont pas tort, hein. Buck et Elena, il fait moche. Il pleut à verse. Ah, les caisses sont là. On panique pas, hein. On avait défini les caisses comme destination finale. Donc de toute façon. On va s'arrêter pile devant elle. Plus on voit qu'on a un bastingage tout sale sale. Il y a des petits minéraux à ramasser. Ça fait toujours plaisir. Une bouteille vide, du pain. Ce genre de choses, on est toujours content. Oh, une feuille de rose et d'électrum, carrément. Ah ouais, ça c'est du beau cadeau. On va aller voir du coup comment ça se goupille sur la carte. Ouais, on voit pas beaucoup plus, hein. On va s'avancer un peu. Je suis à peu près sûr que dès qu'on sera le lendemain, Jackie va nous appeler. Donc on va rester dans le coin. On va aller faire un câlin à Lily. Voilà. Panne! Trop occupé! SOS, STP urgent! Voilà, on s'en doutait bien. Jackie a encore besoin de nous. Donc on fait notre petit câlin à Lily. On va voir notre bout de carte, où est-ce qu'on est. Ah, il y a des poissons. On va aller tester du coup notre amélioration de pêche sur ces petits thons. On va voir si du coup on s'en sort. Et bah, si on s'en sort pas. Qu'on s'en sorte ou qu'on s'en sorte pas, on ira voir. Jackie, ensuite, je sais pas si on aura le temps de tout faire pendant cet épisode. Ok, la petite musique qui nous dit que ça sera un ton. Effectivement, on a attrapé un thon jaune, exactement comme c'était sur l'image. Et vous voyez, normalement, voilà, dès qu'on continue à pêcher, la petite musique est plus là et ce n'est plus un thon. Donc les spots à thon sont vraiment à usage unique. Voilà, un petit peu de nourriture parce que ça faisait longtemps. Ah, du coup, il y a bien le bord de map là, il y a sans doute rien ici, peut-être de ce côté-là. Mais on a dit qu'on allait à Overbrook de nouveau. Alors, on peut aussi se dire, on y va comme ça, hein, et puis... Parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal amélioré notre bateau. Donc il va quand même pas mal vite. Mais je pense que je vais faire le trajet en off. Je vous retrouverai une fois qu'on sera à Overbrook.
Ce sera plus intéressant pour tout le monde, je pense. Je vais aller sonner cette cloche, histoire que tout le monde soit réveillé. Et je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!